Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sway, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle caméra, enfin mon ancienne caméra, ma star, mon tout, mon roi. J'adore cette caméra, franchement j'avais oublié à quel point c'était genre la HD. Dites-moi si vous voyez une petite différence ou pas du tout, c'est juste moi qui suis dans un délire toute seule. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favorite, ça faisait un petit bout de temps que je vous en avais pas filmé une. Je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui de partager avec vous mes produits favoris du moment. Et voilà. J'ai posé des produits au fur et à mesure de la semaine et je me suis dit, ah ça, ça ira dans mes favoris. Ah ça, ça ira dans mes favoris. Et mon bureau va exploser. Donc il était temps de vous filmer une vidéo favori si vous voulez. Surtout un petit produit favori qui me fait de l'œil. J'ai dû prendre 4 kilos à cause de ce produit là. J'ai hâte de l'enlever. Il en reste presque plus, mais c'est pas grave. Voilà, bref, si vous voulez savoir, si vous voulez être au courant de mes derniers produits favoris, n'hésitez pas à rester là. Bienvenue au nouveau parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je suis vraiment heureuse d'agrandir notre famille. Moment, et on va commencer tout de suite avec le shampoing de chez Schwarzkopf. C'est le Professionnel BC Bonacure Color Freeze 4,5 pH Perfect Silver Shampoo que j'ai adoré utiliser en ce moment. C'est le shampoing que la coiffeuse m'a, avec lequel la coiffeuse m'a lavé les cheveux la dernière fois que j'étais chez le coiffeur pour ce blond là. Et j'avais adoré le résultat, du coup je l'ai acheté, je l'ai trouvé à Kuala Lumpur. Et je pense que je peux le trouver sur internet, du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mina, réveille-toi. Je suis trop énervée à chaque fois que je filme avec l'autre appareil, ça frise. Ensuite, toujours pour les cheveux, je suis tombée vraiment amoureuse de ce produit. Par l'odeur, par la qualité, par ce qui est le rendu. Franchement, j'ai adoré utiliser ce produit ces derniers temps. C'est le Lee Stafford déshumidifieur. En fait, c'est un bouclier contre l'humidité. En fait, ça va protéger vraiment vos cheveux de l'humidité. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir les cheveux qui gonflent avec l'humidité, à friser aussi juste là en bas avec l'humidité à cause de l'humidité. Hein, humidité, tu m'entends ? Tu me vois. Du coup ce produit là c'est vraiment top, je l'ai utilisé ces derniers temps et franchement j'ai adoré. Mes cheveux ne gonflent pas, mes cheveux ne frisent pas juste là, il est vraiment vraiment génial. Je ne vous parle même pas de l'odeur, si je vous en parle, l'odeur elle est juste à tomber. C'est vraiment une odeur de parfum, mais pas un parfum de chiottes, un parfum de luxe. C'est vraiment, il a vraiment une odeur extra ce produit, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Toujours chez Boots, j'ai trouvé ce petit déodorant dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma vidéo. Je crois que c'était un haul. Je vous avais présenté ce produit là, du coup je l'ai testé ces derniers temps. J'adore toujours autant l'odeur, c'est une odeur vanille, pêche, mais vanille, vous savez, pas très entêtante, hein. Une vanille douce, une vanille qui passe super bien. J'ai adoré l'utiliser en ce moment. Il sent super bon, il vous garde fraîche toute la journée, je l'adore. Toujours chez Boots de la marque N7, j'ai plusieurs produits à vous présenter de cette marque là. Déjà un masque que je pense vous avoir présenté dans une autre vidéo, mais comme je l'utilise très souvent, je l'ai d'ailleurs racheté. Ça s'appelle le Beautiful Skin Pore Vacuum Mask All Skin Type de la marque N7, il est extraordinaire ce masque. Vraiment, il vous fait vraiment une peau douce, il vous enlève toutes vos impuretés, un petit peu vos points noirs aussi, il vous laisse vraiment la peau super douce et super fraîche. J'adore utiliser ce masque, c'est un masque à l'argile il me semble, et franchement je l'aime beaucoup, je le fais une fois par semaine et je l'adore, une à deux fois par semaine, je l'aime beaucoup. Alors toujours chez Boots, cette fois-ci un gel douche que j'ai adoré utiliser. D'ailleurs mon mari a adoré ce gel douche. En général mon mari il aime trop les gels douche Dove. Il est très basique en gel douche. Il aime pas les odeurs un petit peu différentes, tout ce qui est un petit peu chimique. Il aime pas, il aime bien les produits Dove, les produits, les valeurs sûres quoi. Et j'ai acheté ce produit récemment. Scentif, c'est une super marque pour la peau, hein. C'est une super marque de produits soins pour la peau. Mais je pensais pas qu'il allait l'aimer comme ça et il m'a vidé deux. Il a adoré ce gel douche là, il sent super bon, il vous laisse une peau super douce, vraiment. Il sent trop bon, il sent vraiment la vanille mais avec quelque chose d'autre, je sais pas, on dirait de la vanille mélangée avec de la pêche, je sais pas, il sent super bon, il est vraiment bien, voilà. Vraiment bien. Et votre peau, elle est super super hydratée en utilisant ce gel douche là. Mon mari l'a adoré, franchement moi aussi je l'adore. Alors un autre produit de la marque N7 que j'ai adoré utiliser en ce moment, c'est le Beautiful Skin Melting Gel que j'ai acheté aussi chez Boots pour peau normale à sèche, donc toute peau confondue. En fait c'est un petit produit sous forme de
de gel, huile un petit peu. Je vais vous montrer l'aspect que ça a juste là. C'est un petit peu un gel un petit peu huileux, comment dire, un petit peu comme de l'eau, qui sent vraiment très bon. Et quand vous l'appliquez, en fait, vous le posez sur votre visage comme ça, vous le massez sur votre visage humide et ensuite vous rincez. Top, il vous enlève tout votre maquillage, les yeux, la bouche, les lèvres mates, tout ce que vous voulez, vous enlève tout. Il est vraiment bien, il me laisse pas la peau sèche, il me laisse vraiment une peau douce, pas tiraillée du tout, et je l'aime beaucoup. Donc en ce moment j'utilise ça et j'ai remarqué que ma peau était assez jolie en ce moment, donc j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Toujours de la marque N7, vous savez que je suis partie en vacances ces derniers temps, j'ai acheté ce produit là, c'est le Anti-Aging Sun Protection Spray, un SPF de 30, il est vraiment top, génial. J'adore le fait que ce soit en spray, donc c'est super facile à appliquer, et il a une odeur sublime, il est, vous le voyez pas, il est transparent, c'est vraiment super fin comme matière, c'est vraiment une matière qui fond super bien sur la peau, il laisse pas un fini gras, il est vraiment vraiment top ce produit là, il coûte assez cher je crois qu'il coûte 20 €, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, mais il est vraiment 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 bien. Il dit protection solaire, dit après soleil, j'ai adoré utiliser ce produit là en vacances, c'est un produit de la marque Garnier, c'est le Ambré Solaire Golden Touch, après Golden Touch. Je l'ai dit en français là. C'est le Ambré Solaire Golden Touch après soleil, les hydratants embellisseurs, enrichi en huile de monoï et nacre, nourrit et apaise la peau, sublime le bronzage. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Il a des petits... il est doré en fait. Il est doré, du coup il vous laisse des petites paillettes. Pas des paillettes, oui, cet effet un petit peu lumineux, pailleté sur votre peau. Et il sublime vraiment le bronzage. Le bronzage, j'ai adoré utiliser cette petite crème là. Ensuite, toujours pour parler soleil, d'ailleurs si vous voulez une vidéo, juste tous mes produits soleil, une vidéo consacrée au soleil et à la plage, n'hésitez pas à me le dire, je vous donnerai tous mes produits favoris, tout ça, tout ça. Mais je voulais vous parler de l'aloe vera qui a été un de mes favoris ce mois-ci, parce que pour moi c'est le produit à avoir quand vous partez en vacances. Ça vous sauve la vie. Quand vous avez un coup de soleil, quand vous rentrez de la plage et que vous sentez votre peau un petit peu, comment dire, un petit peu agressé, ou même que vous avez envie de fraîcheur, vous appliquez ça après votre douche et ça vous laisse une peau super fraîche, super hydratée. Vraiment, j'adore utiliser ça. Et pour un effet encore plus, pour un effet optimal, j'aime bien la laisser au frigo avant d'utiliser. C'est vraiment une petite astuce que je vous donne. L'aloe vera fraîche, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Alors toujours une crème cette fois-ci pour mon fils, j'ai adoré utiliser cette petite crème là de chez Johnson, c'est la Baby Bedtime Lotion Helps Baby Sleep Better with Natural Calm. Donc ça aide apparemment le bébé à dormir mieux avec des essences naturelles calmes, qui calment. Mais j'ai adoré l'odeur pour vous dire la vérité, je pense pas que ça a aidé mon fils à dormir parce qu'il dort comme d'habitude, c'est-à-dire pas beaucoup, mais l'odeur elle est juste... elle est à tomber, même pour moi. Genre je l'utilise aussi avec lui, j'adore cette crème, j'ai adoré utiliser cette crème sur mon fils et moi. Et j'adore toujours les produits Mustela, mais cette crème ça change un petit peu et ça vous donne une petite odeur, je sais pas comment expliquer cette odeur, ça sent trop bon. Ça sent trop bon un petit peu, je sais pas, franchement je saurais pas, un peu la rose, parfumée, je sais pas, ce produit sent vraiment trop bon. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à tester, même sur vous-même, n'hésitez pas à tester, j'adore. J'avais envie de vous parler d'un produit dont je vous ai parlé dans tous mes favoris, mais il fallait que je le ressorte parce que c'est mon produit favori de tous les temps pour les cheveux. C'est ce petit produit là de chez Kerasoin. Je sais que je vous en ai parlé un million de fois, je voulais juste vous le redire. C'est le meilleur, allez l'acheter. Biphase, sans rinçage, argan et karité, nourrissant, intensif et démêlant de chez Kerasoin. Je vous en parle pas plus, mais vous savez mon amour pour lui. Je voulais pas te laisser de côté. Tu mérites toutes les vidéos favoris. Voilà. Alors ensuite un petit livre que je lis en ce moment, je vous l'ai présenté dans ma nighttime routine. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, elle se trouve juste là sur le petit i, vous avez juste à cliquer sur le i. C'est ce livre là que ma belle-mère m'a laissé en partant. Le titre est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. L'auteur est Raphaël Giordano. Il me reste que 2 chapitres, mais franchement j'ai adoré lire ce livre. Comment vous dire, en fait c'est une personne qui a tout apparemment pour être heureuse. Elle a un enfant, un mari, un travail, elle est bien quoi, elle gagne bien sa vie, son fils et son mari et elle-même sont tous les 3 en bonne santé. Elle a tout pour être heureuse, mais elle n'est pas heureuse, elle sent comme un vide en fait dans sa vie, elle se sent pas, comment dire, elle se sent pas complète.
il lui manque quelque chose. Et je sais pas, elle se sent un petit peu pas bien quoi, un petit peu en dépression entre guillemets. Et du coup elle rencontre un mec et tout va changer. Ça, je vais vous lire juste ça et je vous laisse le découvrir. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'elle donne des super bons points pour avoir plus confiance en soi, pour essayer de sortir un petit peu de la routine et améliorer son quotidien, améliorer sa vie. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo assez marrante en suivant ces petites directives. Bref, vous souffrez probablement d'une forme de routine aiguë. Une quoi ? Une routine aiguë, c'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes. Baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude. Mais comment vous savez tout ça ? Je suis routinologue. Routino quoi ? Franchement, voilà. Vrai, j'adore. Ensuite, un shampoing que ma soeur m'a offert, c'est le Guerlain, la petite robe noire. Il sent divinement bon. Je sais pas, j'ai rien à dire à part ça. Il sent vraiment divinement bon. Si vous voulez sentir, n'hésitez pas à aller chez Sephora. Il sent trop bon. Je vais pas me lancer dans la description de l'odeur parce que je suis nulle, mais il sent vraiment bon. Ensuite, toujours un favori du moment, c'est cette palette-là de chez Lorac, la Lorac Pro. Je l'ai ressortie et franchement, j'ai fait mon maquillage avec d'ailleurs aujourd'hui. Franchement, j'adore. Je l'adore. Je la kiffe. I love you. Alors, en ce moment, mon mari a voulu remettre les Harry Potter. Et c'est vrai que je les ai vus plusieurs fois parce qu'il les a vus au moins 10 000 fois. Donc, j'étais là et je regardais sans vraiment, vraiment regarder. Là, j'ai regardé vraiment. Et j'ai adoré. Franchement, je les avais déjà vus, mais j'avais pas super bien suivi. Je me rappelais pas du premier, deuxième, troisième, quatrième. Là, j'ai vraiment bien suivi. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Il nous reste plus que le dernier à regarder, il me semble, ou deux, je crois qu'il nous en reste deux à regarder. Et voilà, I love Harry Potter. Maintenant je comprends tous les fans d'Harry Potter. Une petite paire de lunettes que j'ai beaucoup aimé porter en vacances, qui se présentent comme ceci. Voilà les lunettes, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous aimez bien? Dites-moi ça en commentaire. Une paire de baskets que ma soeur m'a offert l'an dernier à mon anniversaire, que j'ai pas beaucoup porté, mais que je n'arrive pas à porter ces derniers temps. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment super confortable, très très jolie. Elle passe partout. C'est la Cortez quoi. Basique. Et donc voilà pour cette petite vidéo favori. J'espère vraiment vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la filmer pour vous. J'adore ce genre de vidéo. Oh mon dieu, j'ai oublié le plus important. Alors, comme vous le savez, nous avons pas... Enfin, si... On a les Kinder Chocobon ici, il me semble, mais vraiment, c'est rare. On peut pas les trouver partout. C'est très rare que je les trouve dans les magasins. Et ma belle-mère, on l'a ramené en venant. C'est... troisième paquet. En 3 jours. Voilà. Cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment à vous. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à cliquer sur ma petite tête pour vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos, elles sont juste là. Un vlog et une vidéo beauté. Allez, je vais mettre un vlog et une vidéo beauté. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite.